bien maintenant, si vous le permettez, j'aimerais m'adresser uniquement, et là je dis bien uniquement, aux demoiselles. Seulement avant de vous raconter ma petite histoire, j'aimerais savoir s'il reste encore dans la salle ce soir quelques vraies jeunes filles. J'ai bien l'impression que je suis la seule à rester une vraie jeune fille ce soir. Il y a des filles dans cette salle? Des vraies jeunes filles? Je ne les entends pas. J'entends deux, je les connais. Écoutez-moi bien, mesdemoiselles, parce que c'est une histoire qui vous concerne toutes. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui sortait tous les samedis soirs. Et sa mère, qui vivait seule, disait, oh, surtout pour avoir la paix, vas-y, vas-y, mais ne rentre pas tard. Sois prudente avec les garçons. Rentre direct à la maison, mais surtout, surtout ne va pas voir les musiciens. Ces gens-là, ce sont des galériens. Elle avait gardé dans son cœur les mots que lui avait dit un chanteur. Si tu t'ennuies dans ton village, il faut que tu aies le courage de tout quitter et de prendre un train. Il faudra aussi abandonner ta maison, seulement là, ne te fais pas trop d'illusions. Si tu veux suivre mes musiciens, ces gens-là, ce sont des galériens. Oh, vous me direz, c'est une histoire assez banale. Elle savait qu'elle n'était pas mal, mais qu'un beau jour, il serait trop tard. Alors, elle a réalisé le rêve de sa vie. Un samedi soir, elle s'est enfuie dans le camion de mes musiciens pour mener avec eux la vie que mènent les galériens. Alors, mesdemoiselles, si vous avez envie de faire comme elle, je vais vous présenter les gens qui sont derrière moi. Comme ça, tranquillement, sans vous presser, vous pourrez bien les étudier, les détailler, et qui sait, choisir celui avec lequel vous vous enfuirez ce soir. Mesdames, voici mes musiciens! Quant à vous, messieurs, vous n'avez pas de chance. Voilà, pas du tout. Ces quatre jeunes filles qui sont là, ce sont mes fiancées. Elles s'appellent Chantal, Annick, Lily et Mauricia. Le monsieur qui a écrit les arrangements musicaux et qui dirige cet orchestre, le voici. Il s'appelle Monsieur Guy Germain.